Qui c'est? Il est temps de s'occuper du chef de cette opération et de trouver les dernières pièces du musée. Qui avait juste dit. L'ami a capté un signal de ce satellite. Voyons à quoi on a affaire. Je ne suis pas fier de cette chasse. Une tâche sur mon héritage. Un déshonneur. Néanmoins mortel. Trouvez-les. Tuez-les. Craven. Combien de cibles il y a encore sur sa liste? Il se sert de ce réseau satellite pour traquer ses cibles. Ah, tu t'en sortiras pas comme ça. Je reçois un pic de données venant du drone. Si je reste assez longtemps dans son sillage, ma tenue pourra extraire les données imbriquées et me mener tout droit à lui. Charge bien. Mon costume va cramer à ce rythme-là. Je dois retourner dans le sillage pour continuer le téléchargement. Je vais le perdre. Et avec ma seule chance de trouver Lee. Je n'ai plus que 10%. Je devrais avoir les données. Alors, Craven, où est-ce que tu retiens Lee? Toutes les cibles ont été compilées dans un seul fichier. Le drone n'avait pas d'infos sur lui. Mais ces personnes ont besoin de moi. Sinon, leurs têtes finiront parmi les trophées de chasse de Craven. Si je trouve d'autres oiseaux du genre, je pourrais décrypter leurs données et découvrir l'identité des cibles avant qu'il soit trop tard. Je devrais envoyer les données vers les Speeder serveurs. Ça devrait intéresser Pete. Harry? Est-ce que Pete est avec vous? Salut. Non. Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique? Genre, maintenance de l'appli, par exemple? En fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit, si l'opportunité est timide, fais le premier pas. Même si elle est plus là, j'écoute encore ses conseils. C'est peut-être bizarre. Non. Pareil avec mon père aussi. Ça me console de pas être tout seul. Merci. Et bonne chance à toi. Ouais, vous aussi. Peut-être que j'aurais besoin de quelques conseils.
Salut, papa. J'aurais besoin de ton aide, là. Je fais tout ce que je peux pour retrouver Lee, mais... je suis vraiment à court d'idées. Je sais ce que tu dirais. Un héros n'abandonne jamais. Et j'abandonne pas, mais... c'est juste que je sais plus quoi faire. Je suis... peut-être que... je devrais juste oublier tout le reste et passer tout mon temps à traquer Lee. Non. Si les gens ont besoin d'aide, je vais les aider. Et je vais trouver Lee. Si Pete est trop occupé... non, après tout, je suis Spider-Man, moi aussi. Je peux gérer la situation. Mais... tu peux me souhaiter bonne chance. Merci, papa. Je t'aime. Alors... qui a besoin d'aide par ici? Tiens, on dirait bien qu'un graffeur en a fait un peu trop. Je ferais mieux d'aller voir. Toujours là pour aider les gens, Madame Parker. Vous savez certainement que Mac Gargan, plus connu sous le nom de Scorpion, a été retrouvé mort, son dard prélevé en guise de trophée. On peut penser qu'il s'agit de l'œuvre des chasseurs. Serait-il en train d'accomplir, en éradiquant ces dangers une fois pour toutes, ce que les incompétents Spider-Man refusent de faire depuis trop longtemps? Quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'on devrait les laisser s'éliminer entre eux. Notre ville n'a pas besoin de ces faux justiciers masqués qui n'apportent rien de bon. Une fois débarrassés d'eux, nous pourrons revenir à une vie plus simple. Quelle bouffée d'air frais ce serait! Le vrai journalisme me manque tant! Vous savez, cette époque où je pouvais parler des vrais sujets d'actualité. Notre économie en berne, ou la jeunesse en perdition, sans être obligé d'évoquer sans cesse ces guignols en collant qui rendent la vie des honnêtes gens complètement infernale. Oh oui, un jour peut-être. Un jour. Qui nous envoie tout ce matos, au fait? Je reconnais pas le nom sur le... la fournisseuse de Kraven, à Bruxelles. Ah. Je l'ai jamais vu. Vous faites enfin vos cartons pour quitter la ville! Mais j'en connais certains qui sont pas prêts de recevoir leur colis. Franchement, Spider-Man va sauver mon... Eh, mais c'est mon look, ça!
Enfin, si on veut.